Hello les belles âmes. Alors, je continue sur ma lancée pour les guidances de novembre. J'arrive pratiquement à la fin. J'allume juste l'encens. Et ça va être pour les magnifiques belles âmes. Curieux, qu'est-ce que je peux dire? Travailleurs et vif d'esprit, voilà. Et c'est les Gémeaux. On y va pour les Gémeaux. D'abord, je commence par la guidance globale qui va concerner votre vie professionnelle, finances, vos finances, vie sociale, familiale. Et parfois, ça peut parler aussi du sentimental. Et vous aurez la guidance sentimentale sur la moitié de la guidance, quoi. La deuxième partie, voilà. Alors, voilà, il y a pas mal de renouveau pour la plupart des signes hein, ce mois de novembre, quoi. C'est une ascension, on peut dire, planétaire. Beaucoup de gens vont changer, waouh, deux cartes, changer de direction, de prendre un virage de 360 degrés dans leur vie. Hein. Ok, alors ça, c'est l'énergie globale qui va vous accompagner pour tout le mois de novembre. Hein. Il s'agit de votre vie en général, sentimentale, finance, personnelle, professionnelle, la totale, quoi. Le As of Swords, hein. L'As d'épée, c'est un renouveau dans votre vie, c'est des nouveaux projets, c'est une belle opportunité qui se présente à vous. C'est un nouveau travail, c'est une nouvelle relation, un renouveau aussi, redémarrer quelque chose avec un ex aussi, pourquoi pas. Alors, c'est une belle énergie, hein. C'est... tous on veut de la nouveauté parfois dans notre vie, hein. Voilà les belles âmes, waouh. Là, on a le 8 of Cups. Hein. Je vois que certains Gémeaux, vous sortez d'une... comme c'est dans le global, ça peut être une rupture de contrat. Hein. Et vous laissez derrière vous pas mal d'années hein, de travail dans cette entreprise. Hein. Un licenciement, hein. Ça peut être un licenciement, comme ça peut être, moi, ça me vient une fin de contrat. Vous mettez fin à votre contrat, mais à l'amiable, avec votre entreprise, votre employeur, voilà. Une rupture à l'amiable ou conventionnelle. Mais vous laissez derrière vous pas mal de souvenirs quand même, hein? Pas mal d'années de travail. Hein? Ok, et pour d'autres, il part quand même avec une énergie de tristesse, pas la plupart. Hein? Ok, ouais. La princesse of wands. Hein? Une princesse, c'est une naissance d'un projet hein, qui vous attend, naissance d'entreprise, hein, quelque chose que vous allez aimer, quelque chose qui vous convient le mieux, voilà les belles âmes. Vous êtes en train de travailler sur un projet hein, où vous allez vous rendre compte que vous faites un travail depuis très longtemps qui vous ne parle plus actuellement hein, et vous allez toucher ça du doigt.
Et on me dit qu'il y a pas mal de synchronicité qui vient aux Gémeaux. Il faut être attentif à cela, les belles âmes, en ce mois de fin octobre, début novembre. Hein. Mais vous allez repartir sur du renouveau pour vous. Hein. D'accord. Et ça va être magnifique. Regardez, vous avez le 9 de Pentacle. C'est la stabilité financière. C'est la stabilité professionnel. Hein. Vous allez quitter ce travail pour quelque chose de meilleur. Et moi, j'entends, il y avait quand même pas mal d'énergie toxique dans l'entourage de votre profession hein, que vous allez quitter, que vous avez déjà quitté. Hein. Voilà. Et vous vous tendez vers une sérénité hein, aussi hein, au niveau émotionnel, hein. Voilà, d'accord, le 4 of de coupe, hein. Le 4 de coupe, c'est, ici ça peut être émotionnel quand même, et comme ça tombe dans le général, je vous vois, je vois certains Gémeaux, vous êtes trahis par un collègue ou une collègue, ça vous a fait mal, hein? Et vous êtes allé jusqu'au conseil administratif possible avec cette personne, hein? Ça vous a fait vraiment du mal, hein, au niveau, parce que vous aviez de l'estime pour cette personne, mais elle vous jalouse, elle était très jalouse, ou... Moi, je dirais plutôt une énergie féminine, ça peut être un homme avec plus d'énergie féminine qui vous jalouse, hein, qui vous a fait du tort, qui vous a causé du tort. Hein. Et vous n'allez pas vous laisser faire, voilà. Sinon, ça peut aussi parler de... que vous avez subi une trahison de la part d'un partenaire et... Et suite à cela, votre chakra du cœur est fermé. Hein. Il y a des offres, il y a une belle coupe là qui est... En votant une coupe, mais vous, vous êtes triste. Hein. Vous ne voyez plus les coupes qui vous entourent. Hein. Vous êtes dans cette fermeture du chakra du cœur. Hein. Mais ça, c'est le global. Hein. Mais ça parle un petit peu quand même de... Ça peut concerner le sentimental, voilà. Parfois ça arrive que les cartes soient collées, alors je les prends pas. Si j'ai deux cartes collées, ok. Ok. Mm-hmm. Je prends une carte là et une autre juste là. Alors, d'accord, la Reine of Swords. La Reine of Swords, c'est Gémeaux, c'est vous, ça peut être une femme dès l'âge de 40 ans, une femme Gémeaux, que vous devez trancher, vous devez prendre une décision. Hein. Je dirais... Début du mois de novembre, la deuxième mois de novembre, une décision qui va être décisive, hein, qui va changer la donne pour vous. Hein. Soit vous décidez de quitter cette entreprise pour donner naissance à un projet. Oui, il y a une décision à prendre. Moi, je dirais plutôt vous allez décider de quitter un travail qui ne vous convient plus, pour aller vers quelque chose qui vous parle plus hein, et qui est en adéquation avec vos valeurs actuelles, voilà. Et on vous dit, les belles âmes, fiez-vous à votre intuition, hein. Précipitez pas les choses, pesez le pour et le contre, et vous avez une bonne intuition hein, sur la deuxième fin novembre. Faites appel à votre intuition. Mais il y a la fin de quelque chose et le démarrage d'un renouveau pour vous. Hein.
vais mettre quelques petites cartes de l'oracle de lumière. D'accord. Vous aurez des nouvelles. Si vous avez postulé pour un travail, les belles âmes, vous aurez des nouvelles. Hein? Début du mois de novembre, hein? Ou plus tard, au milieu du mois de novembre. Hein? Oui, il y aura du printemps pour vous. Ça, c'est la naissance d'un projet qui va bourgeonner petit à petit. Ou un nouveau travail que vous allez trouver. Hein? Il y aura des nouvelles prometteuses pour vous, les belles âmes. Waouh, regardez. Ça, il faut que vous voyez ça. Hein? Vous avez le 9 de pentacle et ça tombe sur cela, la corne d'abondance. Hein? Vous allez trouver un travail avec un très bon salaire, au-delà de ce que vous pensez. Hein? Si vous démarrez ce projet, il va être un projet abondant aussi. Hein? Sinon, c'est une promotion qui vient à vous, les belles âmes. Vous allez toucher de l'argent. Hein? Pour moi, vous allez toucher de l'argent. Hein? Ou c'est quelqu'un qui va vous rembourser aussi ce qu'il vous doit. Voilà, il y a de l'argent qui vient à vous. Et sur cette fermeture du chakra du cœur ou cette trahison d'une collègue, on a le voyage à l'étranger. Soit vous rentrez du voyage, soit vous allez voyager. Ou soit dans votre travail, vous traitez avec l'étranger. Voilà. Et possible que vous ayez aussi un contact avec un ex ou un amoureux à l'étranger. Voilà, laissez-moi vos commentaires. Hein. Ok, pas mal pour les Gémeaux. Hein. Pas mal du tout. On va passer au tirage sentimental. Vos énergies aussi sont très très fluides. Hein. Je sens que ça va se décanter, ça va se... Je la prends. Une carte qui saute, c'est pas pour rien. Voilà. Et on y va. S'il y a des clarifications à faire, je vais le faire avec le... Ça, c'est la carte avec laquelle vous allez démarrer la première semaine au début du mois de novembre. Et c'est pas n'importe laquelle, c'est la justice. Hein? La justice sera faite. Hein? Sinon, je vois, j'entends femmes Gémeaux qui sont en plein divorce. Et leur divorce, il va être prononcé ce mois. Ce n'est pas la première semaine du mois de novembre, mais le mois de novembre. Hein. J'entends aussi, c'est un procès du divorce, j'entends aussi, vous allez couper avec des vieux schémas, avec des relations toxiques. Vous allez vraiment trancher par rapport à une situation, à une relation toxique. Et suite à cela, le 6 de coupe, il était à l'envers. Ça veut dire suite à cette relation toxique dans votre vie ou de laquelle vous venez de vous débarrasser, c'était quand même une relation qui vous avait... Vous avez perdu votre joie de vivre. Et comme les Gémeaux, c'est des personnes espiègles, ça veut dire ils adorent blaguer, faire des gags et tout ça. On voit que vous avez perdu cette joie de vivre et cet équilibre, mais vous allez le récupérer petit à petit. Hein. Voilà, waouh, cette carte, elle n'arrête pas de sauter. Plein de signes, hein, le signe juste avant vous, le cancer. Pas mal de signes, ils ont lu cette carte. Hein. C'est les nouvelles qui arrivent rapidement. Ou votre jugement de divorce qui va être prononcé très, très rapidement. Hein. Comme je vois certains Gémeaux qui ne ressentent plus pour leur partenaire. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de... comment dirais-je, de sentiments, et vous allez prendre la décision d'arrêter et couper avec cette relation et vous allez l'annoncer à votre partenaire. Hein, et ça va se faire ce mois de, au milieu du mois de novembre. Hein.
Wow. Ici, on me parle que certains Gémeaux, vous avez un contact ou vous aurez des nouvelles d'un roi de Pentacle, hein? Vierge, Taureau, Capricorne. Hein? Voilà, vous aurez des nouvelles, hein? Cette personne. Hein? Ou vous êtes en train d'échanger avec cette personne, comme ça peut être une personne aussi du passé, vous allez la recontacter, ou il va vous recontacter, voilà. Mais des belles énergies hein, pour les Gémeaux. D'accord, ok. Vous mettre trois cartes. Ok. Et là, je vous vois aussi en contact avec un prince de feu, Bélier, Sagittaire, Lion. Vous échangez aussi avec cette personne. En effet, je vous vois séducteur, les Gémeaux. Hein? Vous avez pas mal d'échanges pour quoi chercher l'amour. Hein? Cette carte, elle retombe de nouveau. Hein? Le 8 of coupe, c'est ça. Il y a pas mal de coupes, il y a pas mal de, vous avez pas mal de contacts, d'échanges avec des gens, mais je vous vois quand même encore nostalgique par rapport à une personne du passé. Ou vous attendez le retour de quelqu'un du passé. Hein, et ça va s'accentuer avec ces énergies de pleine lune. Hein, voilà. Mais il y a la force hein, pour vous. Hein. Vous êtes fort psychologiquement. Hein. Vous allez réussir à comment dirais-je, à dépasser cette nostalgie ou cette fermeture du chakra du cœur. Hein. C'est momentané. On me dit que c'est momentané. Hein. Alors, on y va pour quelques cartes de l'oracle de lumière. Encore une, je vais être généreuse avec vous, les belles âmes. Alors, sur la justice, on a l'amour. Hein. Il s'agit bien d'un divorce hein, avec un partenaire hein, ou une séparation. Regardez, vous aurez quand même des invitations et des sorties. Je vous vois faire des rencontres, les belles âmes. Hein. Et ça va être avec beaucoup de légèreté, beaucoup de joie de vivre. Comme je dis avant, je vous vois séducteur et séductrice. Hein? D'accord. Et je vois quand même, vous avez une très belle intuition. Hein? Votre troisième œil est ouvert. Il faut utiliser cette intuition à bon escient hein, pour prendre les bonnes décisions. Hein? Car on me dit, vous êtes capable de déceler la bonne personne. Voilà. Waouh, cadeau et récompense qui tombe sur ce prince de offrande, sur ce prince de bâton. Hein. Ce n'est pas quelqu'un de très âgé. Il peut y avoir entre 28 ans à 45 ans, cet homme. Et cadeau et récompense, c'est quelqu'un de généreux. Hein. C'est quelqu'un qui aime les belles choses. S'il va vous inviter, il va vous inviter dans un endroit. Il ne regarde pas ses dépenses. Voilà, il va vous chouchouter. C'est quelqu'un, un bon vivant, qui aime et qui peut avoir aussi une bonne situation sociale. Hein. D'accord, la femme. Hein. Ça tombe sur la femme. Soit l'homme Gémeaux, vous êtes obsédé par une femme de votre passé et vous n'arrivez pas à passer à autre chose et ça va s'accentuer avec cette pleine lune. Hein? Moi, je dirais ça pour les hommes. Ouais. La chance hein, sur la force. Les belles âmes,
Vous aurez de la chance en ce mois de, comment dirais-je, de novembre pour faire une belle rencontre parce que vous avez quand même l'invitation, vous avez les cadeaux, mais on vous fait appel à utiliser votre intuition pour choisir la bonne personne et pas retomber dans des vieux schémas avec des relations toxiques. Voilà. Magnifique beau tirage pour les Gémeaux. Je suis contente pour vous, hein. Là, je vais vous tirer une carte de les portes magiques de l'univers où vous en êtes au niveau évolution sentimentale, au niveau spiritualité, mais qui concerne l'amour et l'aspect, comment est sentimental. On va voir, hein, le message de l'univers pour vous. Hein. Cette carte est de venir, voilà. Le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Voilà. Soyez pas les belles âmes dans la rumination. Soyez pas dans trop se projeter dans l'avenir avec quelqu'un. Vivez l'instant présent et laissez la magie vient à vous s'opérer. Voilà. Soyez pas dans l'anxiété ou à trop se poser de questions. C'est ça, hein, le message. Là, je vais vous tirer une carte des yeux de l'intérieur, le message de votre âme. Hein. Waouh, il a sauté, mais d'un coup, hein, quoi. Ok, magnifique cette carte. À présent. La route de ma vie est parsemée de miracles car je suis la voix du divin en moi. Merci. Magnifique, belle carte pour vous qui annonce de nouveau le renouveau. Des miracles qui vont se produire dans votre vie, les belles âmes. Hein? Soyez dans la gratitude, soyez dans l'accueil. Et laissez les choses se faire sans se poser trop de questions. Voilà les belles âmes, j'adore votre tirage, très fluide, très miraculeux, on peut dire, avec beaucoup comment, de renouveau, de belles nouvelles qui vont arriver très très rapidement à vous. Il y a des décisions à prendre. Je vous encourage les prendre pour passer à autre chose et ouvrir comme le tunnel des miracles. Voilà. Je vous embrasse et le tirage vous a plu. Likez, partagez la vidéo, laissez-moi vos commentaires et je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Et soyez dans l'accueil, la gratitude et la joie de vivre que vous allez récupérer. Cette joie d'enfant, hein, c'est ça. Je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt les belles âmes. Au revoir. Bye bye.